Bonjour. Patrick va nous présenter un sous-marin plus qu'original. Dis-moi plus, Patrick. Oui, bonjour. Alors, c'est un sous-marin dynamique réalisé par l'amiral Jean-Yves Dulocot. Donc, il est fait à partir d'une tringle à rideau coupée en quatre. Une tringle à rideau ? Simplement. Et avec en dessous, on y a mis le moteur Playmobil radio-commandé étanche, qu'on peut trouver uniquement en occasion maintenant. Et donc, d'accord. Tringle à rideau Playmobil. Donc il fonctionne en traction, les moteurs sont légèrement inclinés. Légèrement inclinés vers le bas. Donc tu plonges en dynamique. En plongée, et dès qu'il est sous l'eau, il ressort plus il remonte. Et puis on peut tourner. Hop, je t'ai retrouvé. Oh, c'est génial. C'est assez. C'est rudimentaire, on va dire. Oui, et puis c'est assez véloce. Et les enfants, en quelques minutes, ils apprennent à allez, vas-y, recommence, plonge. Alors voilà. On va traverser le bassin. C'est vrai, le Luxembourg. Luco veut dire Luxembourg. C'est le club du Luxembourg. Il faut absolument y aller, c'est génial là-bas. Les gens sont adorables. Et les bateaux sympas. En plus, on peut louer des bateaux. Donc, ils existent en différentes tailles. Ah bon, suivant la taille d'un tringle à rideau, tu fais des bateaux plus ou moins longs. Des pieux de jardin. Donc, ça remonte après automatiquement quand il. Et ils remontent dès qu'on arrête, hop, ils remontent ensemble. Ouais, c'est de la plongée dynamique. Voilà. Oh là, donc, il y a deux moteurs. Ah oui, en plus, il peut tourner sur lui-même. Oui, il peut tourner comme ça. Ouais, c'est. On n'a pas dit que ça devait être réaliste à fond. Hein. Donc c'est des moteurs qu'on arrive à trouver sur Internet. Sur Internet. Quoi, mais en fait, c'est comme si c'est pas très fiable. Écoute, merci à toi. Et voyez les amis, si vous êtes encore un peu passionnés de sous-marins et prêts à acheter une tringle à rideau, vous pouvez faire 4 sous-marins. Une tringle, oui, exactement. Bah ouais, un sous-marin, 4 tringles, c'est voilà. Il faut que je fasse attention quand même. Donc ça nous sert aussi pour aller chercher les bateaux qui sont en panne. C'est votre dépanneuse en plus. Oui. On accroche une ficelle derrière et puis avec un crochet, puis on fait le tour, il y en ramène. C'est pas l'océan, hein. Là pour ramener le voilier. Non mais c'est bien parce que je vois la taille du voilier de Philippe là, c'est génial. Pour attraper le voilier, on mettrait une ficelle puis on ferait le tour. Une ficelle ou une écoute, une osière. Hein, ouais, c'est génial. Hein. Alors, de temps en temps, on rentre dans les cartes. On fait attention. Oui, c'est vrai que vous avez des cartes dans vos bassins. Oui, il y a des cartes. Nous ici, il y en a peut-être aussi. Il y a mais... des tortues ici. Hein. Non, c'est fini, les tortues, c'est fini. Au revoir les amis. Voilà.